Je suis très heureux d'être à Trois-Rivières aujourd'hui. J'ai justement parlé au maire Jean Lamarche ce matin. On a discuté des différents projets locaux et notre conversation a été très positive. Je sais que, présentement, des centaines de trifluviens sont en train de recevoir leur vaccin. Il y a aussi des centres de vaccination de masse qui sont ouverts dans la région, notamment à Victoriaville, Drummondville et Shawinigan. Il y a plus de 11 % de la population du Québec qui a reçu une première dose et on approche 1 million de vaccins administrés. La vaccination progresse très bien ici et c'est une très bonne nouvelle. Across the country, we've delivered more than 4.7 million doses so far. Every day, more Canadians are protected. This is the way we all wanted to start the spring, with families from coast to coast to coast breathing a sigh of relief. Of course, while we do everything we can to get Canadians vaccinated as quickly as possible, we'll also continue to be there for workers and for small businesses. On that note, today we're extending the deadline for new Canada Emergency Business Account applications from the end of March to the end of June. As I've said before, we'll do whatever it takes for as long as it takes to help Canadians get through this crisis. Depuis des années, et de plus en plus depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens, dont plusieurs députés de notre caucus, qui me parlent de l'importance de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions du Québec et à travers le pays. Plus que jamais, l'accès à Internet haute vitesse est un besoin essentiel, au même titre qu'une route ou que de l'électricité. C'est un outil pour travailler, décrocher un emploi ou pour faire rouler sa petite entreprise. C'est aussi un outil pour rester informé et pour faire des consultations médicales. Pendant la dernière année, on a entendu des situations où des frères et des sœurs sous le même toit ne pouvaient pas se brancher en même temps pour suivre leurs cours parce que la connexion était trop faible. Ou encore des gens qui devaient s'installer sur le coin de leur balcon ou dans leur garage parce que c'était le seul endroit où il y avait un peu de réseau. Présentement, il y a encore un trop grand nombre de Canadiens en région qui n'ont pas accès à un service Internet à large bande. Aujourd'hui, on veut accélérer le branchement des régions rurales et éloignées. C'est pourquoi on met sur pied l'opération Haute vitesse Canada-Québec, qui comprend un investissement conjoint à part égale de plus de 826 millions de dollars du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. An Internet connection isn't a luxury. It's a necessity. That's why, last November, we announced a $1.75 billion investment for the Universal Broadband Fund. We're also investing $600 million for satellite capacity to connect even the most remote communities. With programs like these, we'll connect 98% of all Canadians to high-speed Internet by 2026 and all Canadians before 2030. That means more small businesses that can reach customers online, more young people who can get schoolwork done from home, and more grandparents who can FaceTime their grandkids. We're not stopping until we've closed this digital gap. All Canadians, including and especially in rural, remote, and northern communities, will have the Internet they need to succeed. Je veux souligner l'ambition et l'initiative du gouvernement du Québec dans ce dossier, ainsi que la collaboration du secteur privé par le biais des fournisseurs de services Internet. Il s'agit d'une entente historique entre nos deux gouvernements. Et, en travaillant ensemble, on améliore la vie des Québécois et des Canadiens, et c'est toujours ça notre priorité. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, d'ici septembre 2022, c'est près de 150 000 foyers de plus au Québec qui auront accès à Internet haute vitesse. Un peu plus tôt ce matin, je me suis entretenu avec Bernard Thompson et Gérard Bruno, les préfets des MRC de Mackinac et d'Échénaud. Je peux vous dire que c'était une excellente conversation. Mais ils m'ont vraiment souligné à quel point c'est un bien essentiel de pouvoir se connecter pour attirer des gens en région, pour garder nos jeunes en région, pour faire croître l'économie locale. C'est toujours une des premières questions que les gens posent quand ils pensent acheter ou relocaliser en région. Est-ce que vous avez Internet haute vitesse? Et là,
Bernard et Gérard vont pouvoir dire oui, parce qu'on est en train de travailler ensemble. La connectivité Internet universelle va jouer un rôle clé dans notre relance économique d'après-pandémie. C'est important que les familles, les travailleurs et les petites entreprises puissent en profiter, incluant ici en Mauricie. C'est avec des projets comme ceux-là qu'on va continuer de bâtir un Québec et un Canada encore plus fort et plus juste pour tout le monde. Avant de terminer, je veux prendre un moment pour parler de Michael Spavor et de Michael Kovrig. Hier soir, le procès de Michael Kovrig a eu lieu. Je veux remercier les représentants de 22 pays, en plus de l'Union européenne, qui étaient présents pour démontrer la solidarité des démocraties libres à travers le monde avec le Canada et avec ces deux Canadiens. On continue ensemble d'exiger leur libération, leur détention arbitraire est inacceptable et on ne va pas lâcher jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux de retour ici à la maison. Nous sommes de tout cœur, comme toujours, avec eux et avec leurs proches. On a separate matter relating to China, today, Canada, the European Union, the United Kingdom, and the United States imposed sanctions in response to the repression of Uyghurs and other ethnic minorities in Xinjiang. These measures reflect our grave concern with the gross and systematic human rights abuses taking place in the region. We will continue to work closely with our international partners to pursue accountability and transparency.